Je peux vendre un peu le secret ici. Muriel Blanche et moi, on a créé, on a fabriqué des buzz, on a créé des choses pour qu'on parle de nous et tout. Et on sentait que les gens s'intéressaient trop à nous. On avait des managers à l'époque qui ont dit, bon, alimenter ça, on a tellement fait des choses pour faire parler les gens. Oui. Voilà, ça a marché et tout. Jusqu'aujourd'hui, ça vous colle. Ça vous colle. Jusqu'aujourd'hui, c'est notre forme de commerce. Ça vous colle. Ça nous colle à la. Vous avez beau expliquer, réexpliquer. Personne. Non, on n'explique même plus. On n'explique pas. Est-ce que on n'explique pas. Personne. On dit, on laisse les gens parler et tout. Sauf que la vérité est là. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas tout ce qu'on vous montre qui est la vérité. Pour connaître quelqu'un, il faut marcher avec la personne. Il faut fréquenter avec la personne. Donc, les vraies personnes qui connaissent la nature de mes relations avec tout mon entourage, c'est ceux qui me fréquentent. Ouais. Mais ce que nous on montre sur les réseaux sociaux, là, c'est soit pour vous faire parler, c'est soit pour faire parler de nous aussi. Donc, c'est important de ce qu'on parle de nous. Donc, si tu veux ressembler à quelqu'un, si tu veux fréquenter, si tu veux prendre quelqu'un pour modèle, il faut le fréquenter. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut le connaître dans sa maison. Comment il le vit, pas ce qu'il te montre. Parce que l'image qu'on présente là, ce n'est qu'une image. En réalité, ce n'est pas la vérité. Donc, il ne faut pas tenir compte de ça. Prenez pour modèle les gens que vous connaissez. Ou alors, prenez pour modèle le travail des gens, pas les photos des gens. Voilà. Il faut prendre pour modèle le travail. Prendre pour modèle leur parcours. Le parcours de quelqu'un peut vous inspirer. Voilà, et tout. Ce n'est pas parce que Mitumba se met quelque part avec un grand vin il fait une photo, il balance là. La photo là ne doit pas vous intéresser. C'est le parcours de Mitumba qui va vous intéresser. C'est comment il a fait pour avoir ça. Lorsque vous n'avez pas la traçabilité sur comment quelqu'un a fait pour avoir son argent, ne cherchez pas à ressembler à ce genre de personne. Donc, il faut ressembler, il faut prendre pour modèle celui qui a une traçabilité dans sa carrière, dans son travail. Vous savez comment il a évolué pour arriver à ce stade-là. Ça vous inspire de faire autant. Ne voyez pas quelqu'un au sommet. Vous voulez juste sauter, être au sommet comme lui. Vous savez qu'il a fait comment pour arriver au sommet. Le sommet là, il y a plusieurs voies pour arriver là-bas. Hein. Exact. Je vous dis, vous qui me regardez là, le sommet que vous voyez là, il y a plusieurs voies. Il y a la voie du travail, il y a la voie de la facilité. Voilà. Et la voie de la facilité là, ça chauffe. Ça chauffe mal. Vous voyez les gens au sommet comme ça, mais quand ils rentrent, ils ne dorment. Je ne bloque personne. Je ne réponds à personne. Tu m'insultes, c'est bien. Tu m'adules, c'est toujours bien. Encore qu'il y a trop d'hypocrisie sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Parce que les gens restent dit que mes fans, personne n'a les fans sur les réseaux sociaux. Hein. Personne n'a les fans sur les réseaux sociaux parce que les 2 millions de personnes qui me suivent, ce sont les mêmes 2 millions qui suivent Manolap. C'est les mêmes gens qui suivent Figontalala. C'est les mêmes gens qui suivent Muriel. C'est les mêmes gens qui suivent Poupi. Ce sont les mêmes personnes. Et ils sont malins. Donc, ils viennent, par moment, on te carré dans le sang du poil. Par moment, on te serre dans les taux et tout. Donc, c'est les mêmes gens. Quand on te voit, on dit, c'est toi le meilleur. On dit, mais tout le monde, tu es le meilleur. Non, tu es, sans toi, c'est l'apocalypse. Ouais, tout. Dès que tu quittes, on voit Manolap. Oh, grand Manolap, c'est toi le meilleur. Nous, on connaît déjà la musique là. Ouais. Donc, du coup, par moment, et surtout les jeunes d'aujourd'hui, quand on commence à les applaudir, ils croient que ils détiennent la clé du monde. Mm-hmm. Qu'ils peuvent faire et défaire les vies des gens. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, quand les gens t'applaudissent, c'est en ce moment-là que il faut beaucoup t'interroger. Parce que les applaudissements, là, ne sont pas toujours sains. Ouais. Voilà.
Et y en a qui, pendant qu'il applaudit là, il dit pourquoi lui? Pourquoi c'est même lui? Ouais. Pourquoi le gars, si c'est toujours lui qu'on ouais. voit tous les jours? Hein? Mais il est en train d'applaudir. Hein? Bah, toi... Toujours dans ton cercle, ta famille nucléaire, quel type de, d'époux, de compagnon est? Bah, relax, bah, qui laisse faire. Parce que le mariage n'est pas une prison en fait. Ce n'est non plus une brigade. Mm-hmm. Où, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Quand on dit l'union, ça veut dire que chacun apporte du sien. Mm-hmm. Le mariage, ce n'est pas la mort de l'un dans l'autre. Parce que dans beaucoup de couples, soit la femme veut que l'homme fasse comme elle souhaite, soit l'homme veut que la femme se comporte comme lui il veut. Ouais. Bon, vous n'êtes pas né le même jour, vous n'êtes pas né parfois même dans le même village, ni dans les mêmes conditions, vous n'avez pas été élevé, éduqué de la même façon. Donc, chaque être est un individu, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui doit le différencier de l'autre. Oui. Et si vous vouliez que votre conjoint vienne mourir en vous, ou bien que vous allez mourir en votre conjoint, oui. ce n'est plus là le mariage. Le mariage, c'est une union, en réalité, ce n'est pas une fusion. Exact. Voilà, donc chacun vient avec du sien. Arrêtez les pleurs, les amis. La solution est désormais là. Pour ceux qui m'écrivent souvent pour chercher à savoir comment monétiser leur page, ou bien mes frères qui sont à la diaspora, il y a plusieurs qui m'écrivent souvent pour me demander « Franco, j'aimerais monétiser les pages de mes frères qui sont en Afrique, mais ils ne savent pas comment ça se passe. » Désormais, mon boss Patrick Enyekamga a mis sur pied un livre qui vous forme, un livre qui vous donne les détails sur la monétisation Facebook. Ne vous cassez plus les têtes, les amis. Il suffit juste d'entrer en contact avec Patrick Enyekamga qui va vous donner les modalités, comment faire pour entrer en possession de ce livre que vous voyez là. C'est très riche, ce livre. Je vous le conseille vraiment.